Divine, donc, nous sommes là pour nous faire un peu de Kinshasa, papa pour nous malade, nous avons fait un petit peu de temps. Nous avons fait un petit peu de temps, nous avons fait un petit peu de temps, nous avons fait un petit peu de temps. Atindi? Atindi, non, nous avons fait un petit peu de temps. Et. Pourquoi nous avons fait un petit peu de temps? Oh, Divine, nous avons fait un petit peu de temps. Nous avons fait un petit peu de temps. Je le grignote de cash. Vous avez dit QuickShare. QuickShare, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyer de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Ah, maman, Atini, maman, QuickShare, disponible sur l'App Store et Play Store. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Consultation de députés d'ensemble avant de rencontrer Katumbi par Félix Tshisekedi. Les forces vives du Congo, dans la RDC, il est temps de préparer les élections 2023. Et nous avons la présidence de l'UIA et mise en place de l'Union Sacrée, le précieux conseil de Sassou à Tshisekedi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois de plus, acharnement contre la perception de la taxe RAM, pourquoi Vodacom s'agite et agite. Mesdames et messieurs, je voudrais que les Congolais comprennent une chose. On va parler de beaucoup de choses tout à l'heure, comme c'est la deuxième partie. Je voudrais que je vous fasse comprendre une chose. Partout à travers le monde, il y a une volonté manifeste de lutter contre la piraterie, de lutter contre la contrefaçon. C'est une volonté internationale. Les gens estiment qu'il faut lutter contre la contrefaçon, il faut lutter contre la piraterie. Et le Congo, notre pays, a choisi cette voie-là. Tous les téléphones que nous avons, tous les appareils que nous avons, ces appareils, ces téléphones, ont une marque, ont une identité. Cette identité vient d'où? Cette identité est où? T'as un fabricant. Le fabricant, quand il a créé son téléphone, quand il a fabriqué son ordinateur, c'est un individu électronique. Baza bato. C'est-à-dire, baza un individu. Baza na numéro moko et identifié à Kabango. Et tous les téléphones originaux ont ça. Moi, bah Samsung, tout aux anango, baza na ba identité nango, ba Samsung, ba iPhone et tout le reste, baza na ba identité nango. Alors, ce qui est namboka, le pays où est yambayango, il faut au moins que ce pays-là puisse répertorier que chez nous au Congo, tu comptes ici 15 millions de téléphones, 20 millions de téléphones, 30 millions de téléphones, au moins et banaka. Alors, tous les téléphones ne permettent à Baye Bapé en même temps identité et à utilisateur naïe. Utilisateur naïe, à la dimension nini, à la place nini, et ainsi de suite. Ça permet la sécurité, la circulation, et bien sûr, surtout dans Mboka Moko. On me dit que iPhone, c'est beaucoup plus facile. Si on a un iCloud, pardon, on a un numéro d'identification, on a un bébé sur le téléphone. On a utilisé un sous et bébé, et puis il y a comme jouer. Mais dans ma téléphone, je suis sur ce qui est téléphone, je vais utiliser mon lingui. Mais ce qui est mon téléphone, je suis na ID, je suis na numéro d'enregistrement de téléphone. Il suffit qu'à signaler qu'il y a vol. On bloque le téléphone devient obsolète. Ça profite de mon téléphone. C'est pour sécuriser mon téléphone bien.
et qu'on décourage miibi moi ba yiba elo comme tu osasoute parce que soka yibi kena yibi téléphone ce qui me colle longa récupérer téléphone a ken ngoka signaler que ba yibi nga téléphone a pesi identité wana ba bloquer téléphone le téléphone est bébé même miibi moi ba yibi kozala soute mais ça c'est d'un côté de l'autre côté ça permet aussi à l'état de connaître effectivement combien ba abonné bazali parce que mouto za na téléphone ada censé kozala na réseau. Et l'État peut savoir que, ok, donc, tu en as 15 millions de téléphones, tu en as 15 millions d'abonnés dans tel réseau. 12 millions pour le réseau, 3 millions pour le réseau. Et l'État se permet, il y a quoi finalement, pour avoir une taxe dans le réseau de communication. Mais tu en as un réseau de communication, moi, quand on a un temps à comboter, réseau de communication, ils ont bon. Ils ont bon contrôle à l'État. Ils ont bon combien? Ils ont combien d'abonnés? Donc, on est par réseau, on est par réseau à Miyibi. C'est les réseaux des voleurs et des mafieux. Je vais vous expliquer. Réseau Moko na Kinshasa, Awana Congo. Je citerai le nom quand j'aurai toutes les permissions possibles. Parce qu'il faut m'éviter des procès inutiles, ça ne sert à rien. Mais je vous donne déjà les indices de ces réseaux-là. Numéro n'est pas dans la zéro. Numéro n'est pas dans la zéro. Non, le bosso est dans la zéro. Réseau ana aza moibi. Azo iba ba congolais de bannière ou na IDT. A respectaka jamais nombre ba forfait ou yapé sakabato. Ça veut dire aza na forfait na mobo, ba tchaka soki 50 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 100 minutes. Soko sombi meg, o sombi forfait ou anandeko. Idiom ro mona, ou ko utilise jamais 100 minutes meg aussi la. Imaginez. Et il faut foutre un montant quelconque. Et qu'on a 15 dollars, et qu'on a 20 dollars, et qu'on a 10 dollars. Il y a un foutu forfait. Il y a 7 personnes, il y a tout réseau. Il y a LG, il y a réseau tel, il y a Vanessa, il y a réseau tel, il y a Moutouda, il y a réseau tel. Mais au moins, il y a 12, il y a 15, il y a 25. Et puis, c'est lui. Sans aller comptabilité, il y a 75 minutes, non? Sur 15 minutes, il y a un ticket qui est là. Et qui est là? Il y a un ticket qui est là. Il y a un ticket qui est là. Il y a un ticket. Quelques minutes après, après avoir seulement parlé au téléphone deux fois, trois fois, allez, et boungi. Ce que vous service à Bango Bazaba, insolent, vous n'avez aucune idée. Ils ne vous répondent pas bien. Autour de vous, mais messieurs, voici ce que je fais. Oh non, non, je crois que tu as laissé mise à jour. Mise à jour, dans l'ère à l'élo, dans le 21e siècle, où tout le monde sait manipuler son téléphone. Et vous parlez de mise à jour. Donc, c'est des gens qui volent l'État. Mais comme on a. Bissot, on a un consommateur, on a Bissot, agence, on a un consommateur, on a Bissot. Et ça, ce que pour talibien. Bah, j'en suis un ami, ceux qui peuvent aller bien, bah, association, hein, ceux qui peuvent aller bien, ils ont des royalties, bah, ils ont des relations, bah, ils ont des relations, oh, c'est là que, bah, bah, la inefficace. Moi, bah, 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 deux fois, bah, bah, trois fois, que bino. Donc, les moussa, les gars, ah, mais la bino moto. Donc il y a des gens qui ont pas la bino, botika, botika, botika. Au lieu qu'il y ait la bino, il ne se bat pas pour vous. Parce que la corruption est un moyen de vivre pour la bango. Na ba agence, ba association, ba consommateur, pe belle la Congo, ils appellent dengue moko. Peut-être bango nyo sauté, mais pour la plupart des cas, bah ni bipe kaka, bah l'okuta pe kaka. Et réseau wana a commis si mbongo belle na logique wana. Surtout ni arrogance y a réseau wana, ils ont outarapi. Bah quoi, il sait que arrogance na mongo dali parce que. Ba ancien dignitaire, ba tu yakala, gouvernance yakala. Ba koutouana ba vanda penzande na réseau wana. Ba za ba actionnaire. Ba étudiant mingi mingi ba prête non. O luka bongo na kombo ba za na ba kombo te. Ba za toujours représenté, représenté, représenté. Ba ngonde loko ba za kuna. Ba komo sakana na batu. Yo mona réseau nini. Soko défi mbongo. Quand est-ce qu'il y a un côté si crédit, malamoko va récupérer un bon, sans qu'il y ait tout na vie na yo, malamoko va récupérer un bon. Mais ceux qui bango va bungi si mbongo na yo, on va attendre deux jours, trois jours dans la procédure. Attendre deux ou trois, va gouverner ça yo, zéro tout na. Mais pourquoi quand vous prenez, quand moi j'emprunte, parfois pour moi que au défi pe mingi, bon pour au défi sur, va bientôt au défi qui mingi, au défi sauté. Mais bango va faire l'erreur là plus de 7 fois, 8 fois, 9 fois. Et bango y a problème t'es. Nous ne sommes pas protégés. Dans le réseau, le Congo est arnaqué.
et vali réseau ya ba mafie ba koyiba ka mbongo na mboka na biso et ba lingi même pas ba yeba baza combien d'abonnés yo so mona réseau ba ko ya bokolo ba bato ba ma nombre de bato o ya couvrir na époque moko to za kawa ton docteur mbolo ba ki muke muke 12 millions d'abonnés muke muke 15 millions d'abonnés si ko lo ba dépasser nombre d'abonnés na bango ba lingi so ko bisa l'état et baté baza combien voilà pourquoi le ministère ya pétentic na RTPC, si je ne me trompe pas, bah, yo kani balobi, non, il faut traquer ces gens. Il faut baloba, ba nombre d'abonnés na bango. Il faut baloba. Sans vous parler de nombre de mi bio wadakuna. Parce qu'il faut sortir de l'argent, vous n'avez aucune idée. Mais je peux vous garantir qu'il y a un DG, il y a un réseau moko okanga makalamingite. D'abord, moutona finga, chef de l'État, le but que chef de l'État, ça va pouvoir te surveiller. Il y a vendi pour na batomosusu, alobarango. Balobarango, balobarango na anglais. Parce qu'on est anglais bien, on a traduit en anglais. Mais on est en anglais. Que chef de l'État au hasard, ça va être comme un côté. Parce que bango place, vendi, vendi la place à Kala. C'est ce qu'ils disent. Mais ce chef-là va être arrêté dans peu de temps. On a déjà vu le problème, tout le monde a banque, non? Bonjour, on a une blague. Le monsieur de la banque est parti. Hein? C'est la même chose. Il y a un monsieur d'une grande société à télécommunication. Le gars, il y a un qui est Fimbi Congo. La communication, l'État congolais est en train de se réveiller pour remettre ces choses-là la place. Kalamingi te bobo na pe réseau ya mboka yo bima pe. Le réseau na ya pays ya Congo. OCPT, SCPT obo na mona obo. Bazo finga wana. La SCPT va se créer son réseau dans peu de temps. Dans peu de temps ka mona réseau ya Congo et ko tongama. Bongo to tala ba orgueil o ba tala ba zo sala. C'est pourquoi nous demandons à l'État de reconfigurer situation wana. Ba réseau wana photo za na capacité ko benga nango. Oh ba na ba emploi belété, ba na ba emploi belété. Le kouta ko sa bino ba na ba emploi belété, ba ngaza nango ba tu mingité. Ba sous-traitak. Ils sous-traitent les gens. C'est pas des emplois stables et des emplois vrais. Non, ils gagnent 10 fois plus que l'État congolais. Et ça doit s'arrêter. Ba impôt na bango ba déclarer ka ndenge bango ba lingi. Mino aussi bomona. Aussi, il y a un réseau de communication, parce qu'il y a un impôt déclaratif, pas déclaré, il y a un mécanisme de contrôle des athées. Vous savez combien y a, ces gens font rentrer l'argent dans le Congo? Combien? Ils en attendent des guerres. Connexion, ça coûte mingi kolika. Ils en attendent le coronavirus, on n'en parle même pas. Bango, ça tout le monde est belé à consacrer. Bango, bazan attend la grève T. Tout le temps, bazan, bazan, opération. Bango, le tarate, que, oh, ben, c'est quoi, bango, bazan, bazan. Et ils ne font qu'enregistrer l'argent, enregistrer l'argent. Et ça fait plus de 10 ans. Tantôt plus de 15 ans que Banambo Kanabiso. Et ils ne font que s'enrichir. Et nous, on va se taire, on va le regarder comme ça. Non. Lokuta, c'est le moment où maintenant, Kangabango et Ngoïkomi. Babi Misambongo à l'État. Il faut qu'ils sortent l'argent. Et nous demandons au procureur général de la République, près de la Cour de cassation, à Meka un peu Kufongola Miso sur Babilo Kouana. À l'agent, à l'association, il y a un consommateur. Bufunda Bango. Il faut qu'il y ait des procès des Congolais. Il faut qu'il y ait des procès. Ngasu Bobi, Ngasu Mbongo, il y a une façon de bah, tout est procès. Moi encore, bon, donc, pour ça, la carrière, on a qu'une unité, on a besoin. Si Bobi, il y a 6 fois, on a compté. Non, c'est le coup, 10 fois. Tu dois imprimer, pendant que tu as tout. Journal d'appel, là, on a une nuance, tu dois imprimer. Tu as le nombre de minutes dans la salle. Et nous avons un forfait où on a son baki. Ce côté de tout, pourquoi vous avez bongo? Non, on ne blague pas comme ça. On ne blague pas comme ça. Voilà un peu, mesdames et messieurs, on a été le bapon réseau. On a calamité, on a dévoilé le réseau. On a calamité, bah, mi-bi. Maintenant, mi-bi, ils sont en train de chercher des gens, bah, le bilar bango. Moi, j'ai refusé. Ils sont en train d'aller, vous levez la bise, vous levez la bise. Donc, en réalité, ils ne font que voler. C'est des voleurs. C'est des vrais voleurs. Mais je suis très convaincu que, d'abord, quand DG n'a pas encore Okoya, tant que DG n'a pas encore Okoya, DG on a Okoya, avec qui il bouffe l'argent de la République, après ça, il y a un bon goana, il y a un bon goana, et il y a un bon goana, il y a un bon goana, il y a un bon politique pour empêcher que l'État récupère un bon goana, il y a un bon goana. C'est très important. Voilà pourquoi je dis que l'État congolais devrait aider à ce que les Congolais créent des réseaux de communication. Comme ça, tu vois, ben, il y a la bise au pied. Parce que ce n'est pas congolais, la région de Bango, mais on est bien qui est bien. Alors, il y a un autre élément, c'est ce qui se passe maintenant dans le Congo. Je continue, mesdames et messieurs, à présenter ma condoléance, Nanga,
pas dans le Est, parce que le Est est Abisso, c'est nous. Nous avons le même problème. Mais là, je suis en train de penser à toutes ces personnes qui sont tombées ces dernières nuits. Des Congolais qui sont tombés simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Mais moi, j'appelle à la conscience. Mes frères Congolais, vous qui prêtez la main forte à cette sale entreprise, à cette entreprise meurtrière, qui tue nos frères, qui tue nos sœurs. Parce que dans les groupes armés, il y a des Congolais qui sont dedans. Chers Congolais, quittez ces lieux-là. Ce n'est pas bien. Moi, je suis en train de faire Moi, je suis Aiko muzuri, aiko muzuri hata kidogo. Franga, akwake na, comment on dit, ça n'a pas de fin. Vous ne pouvez pas continuer à traiter avec ceux qui nous tuent. Prenez conscience, s'il vous plaît. Prenez conscience. Je voudrais que chaque Congolais a kota na mutuna et que toza agressé. Chaque Congolais a tcha na mutuna et que toza menacé. Chaque Congolais tient à mon tour n'aie que ma belle na biso est menacée. Et ça les cambou na biso, ça les cambou yamboka. Biso des photos bunda pour naiango. Bandeko bata na est la République, bon l'embatter. C'est vrai que c'est difficile, oui, ce n'est pas possible, mais bon l'embatter. Nous devons nous lever comme un seul homme pour commencer d'abord par dénoncer. Biso bato tous na est, kuna to banana nous ko dénoncer parce que c'est nous qui sommes proches là-bas. Tout le monde a dénoncé les généraux, les colonels, les officiers, les notables, les frères, les politiciens. Tout le monde a prêté main forte dans l'entreprise criminelle. Tout le monde a prêté main forte. Et nous demandons que tout activé le tribunal international. Tout activé le tribunal international AWA. De façon que tu trouves ma solution à ma problème, moi. Que ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, soient arrêtés. Ainsi, on va dire bien les choses. Moi, je ne suis pas dans les accusations. Oh, les Rwandais, que ce soit les Rwandais, que ce soit le Burundi, que ce soit les Congolais. On va les traiter tous de la même manière. Congolais, Rwandais, Burundais, Ougandais, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de distinction à faire. Parce que quand les sons coulent, ça coule. Ça ne coule pas différemment quand c'est un Congolais qui tue. Ça ne coule pas différemment quand c'est un Rwandais qui tue. Ça ne coule pas différemment quand c'est un Burundais qui tue. À la fin, c'est quelqu'un qui est mort. À la fin, c'est des villages décimés. À la fin, c'est les nombreux de réfugiés. À la fin, c'est des enfants et des femmes qui ne sont pas en paix et qui continuent à fuir. Et nous devons dire non à cette histoire-là. Voilà un peu ce que j'allais dire pour Babilo Kotele Kana Est la République. Un autre point important, Ezali, le nombre de morts qu'on connaît aujourd'hui dans Kisangani. Batou bakoufi na balenière moko et boumi batou moi mingi. Mes frères, j'ai entendu aujourd'hui, j'ai suivi à la radio, mais excusez-moi de le dire, j'ai eu l'impression que le ministère de transport n'a pas compris l'importance de Makambouana. Je n'ai compris que tu as dit que tu as une légèreté. Je ne sais pas qui est ministre des Transports en Bokanabiso et si ça appartient à quel quota, mais j'ai comme l'impression qu'on a pris ça avec beaucoup de légèreté. Le chef de l'État à Kendara Gouma, comment on a un naufrage qui s'est passé? Moi, je pensais qu'on avait tiré des leçons. Je pensais qu'on avait tiré des leçons et que les instructions du chef de l'État étaient suivies. Mais j'ai compris que les instructions du chef de l'État n'ont pas été suivies. Vous allez vous rendre compte que les gens n'ont aucun respect des hommes. Je suis mon nombre de bateaux, à Koufi, bateaux, à Dini, à Maïbale, qui nombre d'embarqués. Vous êtes mon nombre déjà. Manifeste, les hommes, 10 personnes dans le bateau. Mais la réalité sur le terrain est à plus de 60 personnes dans Dini, à Maïbale. Vous imaginez ça? Où se trouve l'État lorsqu'on embarque les gens? L'État est où quand on embarque les gens? Un bateau qui ne peut embarquer que 50 personnes, à combien il y a 250 personnes d'Engenine? Un bateau qui ne peut transporter que 250 kilos, à combien il y a une tonne d'Engenine? Est-ce que ça vraiment, il faut que le chef de l'État quitte son bureau pour écouter le rabilo qu'on a? Mais c'était toute une chaîne.
Mais comme tout le monde est derrière l'argent, comme tout le monde veut avoir un peu d'argent, dans ma Cambouana, tous ces services-là ont besoin d'argent. Comment on fait? Moi, je propose, comme c'est un autre cas qui vient, la démission immédiate du ministre de Transport. L'arrestation de tout ce qui était censé, comme on a erreur, Rwanda, peut qu'on arrête Ango. Je ne parle pas de la révocation. Ici, je parle de... Je ne parle pas de la révocation. Je parle de l'arrestation et de la condamnation. Il ne faut pas qu'on continue à jouer avec la vie des gens comme ça. Comment les gens peuvent... Atabinomoko, vraiment. Atabinomoko. Mes frères, Lelo, hein, Bimana Ndakunayo, Zoua bateau, n'importe lequel. Tope Zoua, pirogue, moteur. Tala yomoko na bambarquement. Tala yomoko na ba voyage. Moi, je fais ba maï mingi. Bon, on a ma vidéo. Parce que na kendaka na mambo kana komona. Mais je peux vous garantir que moutata moussara babato na tout na kongo dans Nzambe kaka. Je peux vous garantir qu'il n'y a que Dieu qui fait en sorte que ba naufrage à la beauté. Parce qu'il y a des choses sur l'action. Yo mou mais bateau est en boulin dengenin. Et comme il a maï dengenin. Aucun contrôle technique. Aucun. Aucun contrôle technique. Bateau de tambour, bateau de Kinshasa, et donc il y a des mandarins, bateau de Ibora. Mais il faut que mon modèle soit embarqué dans le cadre du Congo. Il faut que mon tonnage soit dans le cadre du Congo. D'abord, le bateau lui-même, le bateau est fabriqué selon l'idée du concepteur. À tel moment, on a n'engé na yemoko. Parfois, ils ont homologué, parfois, ils ont contrôlé. Bachang on a maille sans contenir compte, il y a ma norme, ou il faut les ala, et non, bah, au souk, on a été, bah, qu'on va qui s'en va kilo, alors, aux anna, il était, et bah, qu'on a battu le colon, n'ango, vie, bah, tu as pratiquement, n'a qu'à t'y a maille, bah, toi, bah, aucun des bongos, donc, c'est pas possible. Non, des gens sont littéralement sacrifiés, n'ambou, qu'on a bissou, ponani, ni bongo. Ce n'est pas parce que vous êtes un armateur, vous avez besoin d'argent, que vous allez mettre la vie de tout le monde en péril. Il faut que l'État congolais interdise la cupidité. Il y a un modèle là. Si on retourne à la vie, on va Malamu mabende koiba. Tout ça la tabou. Na vie à bateau. Mabende zéro. Na vie à bateau. Non, mais ma tapou na wana peka, il faut nini. Il faut que Nzamba quitte à Koumisabi. Non, mais il faut pas ça. Le ministre de Transport, on attend votre démission. Parce que du moment où le chef de l'État avait décidé. Yo, ministre à transport, il fallait œuvrer. Est-ce que vous savez quel est le nombre de morts au tout ça dans le naufrage, dans le Congo? Et ça, normal, tu sais. Les gens meurent tous les jours. Tous les jours, on dit, ça là, bah, ton coup, il faut en maille. Dans ma condition, on a un peu de pirogue, ça mouquier. Bah, l'ignée est débordée. Mais il y a aussi des appareils, je ne sais pas si on peut appeler ça par appareil, mais je crois que des bâtiments. Il y a des bâtiments qui flottent, qui naviguent dans ma maille nabisho. En réalité, il ne fallait pas les naviguer. Le bateau est belé, le bâtiment est belé. Le bilan est belé, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Pirogue, mon bâtiment hors bord, mon bâtiment moteur, pirogue, il y a 27 personnes, 40 personnes dans la carte, il y a pirogue. Bon, on a besoin épaisseur, il y a maille, place maille, Zali, na place pirogue, souki. Mais il y a un mouké. Donc, il suffit que mon tout le monde a une vague, il y a un mouké, il y a un dîner, il y a un koufi. Donc, la vie des gens, c'est comme ça, quoi. Non, nous demandons un contrôle parfait, un contrôle complet sur des questions. On est le gouvernement de Koya Sima. Et dans le gouvernement que vous allez reposer sur Babiloko. Batala ma vie, batala ma condition. Ma condition, c'est très important. Sinon, on est mal parti, quoi. On est mal parti. Le ministère de Transport doit comprendre que toutes les voies de communication, ils ont la charge à nailler. Toutes les voies de communication, ils ont la charge à nailler. Ça veut dire le train. De la rail. Il faut une bonne politique ferroviaire dans le Bukanabiso. Le lac, le fleuve, il faut une bonne politique fluviale et lacustre. Il faut y aller déjà. Toye ba le type de bateau où il faut tambola dans le Bukanabiso. Nous devons être fiers dans le Bukanabiso. En disant que voici le type de bateau qu'il faut tambola. Voici le type de pirogue où il faut tambola. Voici le nombre de personnes. Il faut pas compter la pirogue telle. Et nous avons une unité. Il y a un marin.
Nous avons une unité, la police fluviale, la police maritime, la police naïbitenane. Batono batambola pour contrôler tout embarquement. En embarquant, même en naviguant. Ça veut dire que tant que vous embarquez, je me dis que, ok, effectivement, et dans le bateau, il y a 2 tonnes. Ok. Et mais il y a finalement 1,5 tonne. Très bien. Équivalence, c'est un peu de ok. Bobimi na balabala. Quelques temps abnamaï, pardon. Quelques temps après, la police vous suit. Na 4-4 à balabala, na 4-4 à maï, on vous arrête. On va contrôler à l'intérieur pour voir. Maman dit Kotal, équipage, manifeste en gros. Ok, il y a combien de gens à l'intérieur? Bataille, ceux qui ont mon écart, on vous donne des pénalités. Et on débarque ces gens-là. Ils sont considérés comme des fraudeurs. C'est simple. Il y a un bateau, un coup de bateau, il y a 7. Alors que manifeste, il y a 3. 3 personnes. Ok. On vous regarde, messieurs. Beaucoup mieux en est. Oh non, on a coopéré avec l'équipage. Quel équipage avec qui vous avez coopéré? On vous fait descendre immédiatement. Coffret. Et un bateau comme ça, vous payez 2 000 $, 3 000 $, ça dépend. Ça veut dire que vous bangi. Et toujours dans le contrôle, il y a Maïwana. Ce qui est au tambour, il faut que l'État sache que où il y a un bateau à passagers, où il y a un bateau à marchandises. Et il ne faut pas qu'il y ait des hommes dans un bateau à marchandises et pas bateau à marchandises dans un bateau à passagers. Il faut qu'il y ait un quota simple. Attends, dans l'avion, on peut avoir un cargo. Mais cargo, il y a un cargo, il y a un cargo. Cargo, il y a un équipage. De la même façon, dans un bateau, il y a un bateau. Bateau, il y a un bateau de transport, il y a marchandises. Ok. Là, on ne trouve que les marchandises. Les personnes qu'on va trouver là-bas doivent être de l'équipage, ma membre équipage. Et lorsqu'on vous intercepte, là-bas, tout dit, non, monsieur, vous êtes membre de l'équipage, oui, montrez la carte. Sur le petit monogo, non, non, descendez, monsieur. Descendez. Va débarquer, yo. Na 4-4, il y a ébalé. Va débarquer. Et le fraudeur, et celui qui a occasionné la fraude, vous payez d'abord à l'État, et votre bateau paye plus que ça. Au moins, c'est un peu comme ça, il y a cher. On dit bateau, mon bokangi, va foutre à 4 000 $ avant de voyager. A observer sous bêtise, on a été. Pour moto, à côté, il a foutu 4 000 $. Il aura perdu 4 000 à cause de 20 $, à cause de 10 $. Mbalasimor, ça, l'ango souté. C'est ça la logique aussi de l'attaque, pardon, des amendes. Il faut donner des amendes qui débordent. Comme ça, Mouta banga prochainement à la sous-bêtise. Quand il a fait entrer, par exemple, 27 personnes, bah, il va 10 $, 10 $, 10 $. Et donc, il n'a finalement que 300 $ ou 400 $. Il y a Bilokwana. Ok. Mais lorsque vous l'arrêtez, vous lui demandez de payer 4 000 $. C'est fini. Il ne pourra plus faire des bêtises. Prochainement, dans la ligne, compte, ça va t'amener. Oh, il y a tout dans la salle. Bon, après, c'est un bon rebelle. Et les choses vont se retourner comme ça. Mais ceux qui t'ont créé le Kwanate, ceux qui ont tout chargé, il y a contrôle, on a un monde de véritable voleur. Ça ne marchera jamais. Non, moi je pense que Félix Tshisekedi a une lourde responsabilité. Le président, moi je n'envie pas sa position. Il a une lourde responsabilité, celle de la création d'un État. Cet État n'existe pas. Il faut en créer. Ça veut dire qu'il faut recréer l'État. Il faut recréer la pensée de l'État, la mentalité de l'État, la conception et la perception de l'État. On ne badine pas, sinon c'est autre chose. Voilà un peu ce que moi j'allais dire encore une fois ce matin pour Makambwana. Et pour terminer, Moïse Katumbi qui va rencontrer Félix Tshisekedi. Je dois vous le dire, Katumbi a montré sa bonne foi. Moïse Katumbi a montré sa bonne foi depuis le début. Il n'a demandé rien du tout. Bako Sabino te eza l'okuta. Bato Bako Sabino que Katumbi a sengi ba poste, c'est faux. Katumbi n'a pas encore demandé de poste et il a rappelé à ses députés que parlons d'abord de la misère de ce peuple. Parlons d'abord de comment on va résoudre le problème. Ça, c'est la philosophie de Katumbi. Bako Sabino te. Vous savez que moi, je ne vous mens pas. Mais il est vrai qu'en politique, on fait des compromis, on cède, on s'entraide, on échange. Et Katumbi a relégué cette question au second rang. Il a dit au président de la République, il a manifesté sa volonté, il a dit qu'il n'était pas là pour des postes ipso facto. Il est là pour d'abord résoudre le problème. Le poste viendra après. C'est une démarche salutaire. C'est ça la position de Moïse Katumbi, qu'on ne vous trompe pas. Deuxième rumeur, il y a l'Okuta. Monsieur Félix Tshisekedi a signé Vital Kamerhe à Kendelibanda. L'Okuta, Félix Tshisekedi n'a pas signé un acte dans cette
dimension-là. Et ce n'est pas un président de la République qui signe le déplacement d'un prisonnier, l'Okuta. Ce n'est pas un président de la République qui autorise l'évacuation d'un prisonnier. Ce n'est pas le travail d'un président. Et Félix Tshisekedi ne l'a pas fait. Bato Abesibino Mongo, Bako Sibino. Pour terminer maintenant, Likambo et les cas qui na makala, il y a grâce présidentielle. O ebimisi bato ya 100 jours. Heureusement, même ça qui vient le jour on a que il fallait qu'il coûte à la yango bien. Et ça grâce présidentielle t'es. Il fallait qu'il n'ait pas mis nos bongos déjà. Depuis, ça dit j'ai douté tellement. Mais ne vous en faites pas. Demain, j'amènerai tous les éléments, toutes les preuves. La commune a presque 60% déjà à ma raison. Il y a des éléments. Mais ça sonne, il peut pas si peu mawa. J'amènerai les éléments demain. Ne vous en faites pas. Vous avez la chimie. Vous êtes à ma bakouté. Demain, je vous apporte la vraie version. Il y a des gens qui ont fait un faux clarté. Il y a un monde qui a évité qu'on hésite parce qu'il y a des éléments clairs. Si on a besoin de l'élément, le lobby n'a pas besoin de l'élément. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Maman Marthe, né. Maman Marthe, shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un congolais. On est un congolais. Bio Africa Union. Et toi, t'es un gnosso. Tout à l'heure, si moi, si moi, vous voyez pas, y'a du nom, vous voyez rien. Lisa,